Oui, je sens que mon esprit créatif se réveille. Phew, c'est beaucoup de travail. J'ai trop chaud. Ouh, c'était pas gagné. Mais c'est beaucoup mieux. Attends, c'est quoi ça? Oh non, je crois que c'est mon rouge à lèvres. Il a dû rester sur le pull. Mince. Psst, hé, par là. Psst. Psst, c'est quoi ce bruit? Tout mon rouge à lèvres est parti. Oh, c'est tout. J'ai ça pour toi. Y a pas de quoi. J'ai pris un pot à peinture vide. Je l'ai rempli d'un gel transparent comme de la vaseline. Avec la couleur que je voulais. Ensuite, j'ai tout bien mélangé. Et c'était prêt une fois la couleur bien homogène. Pour l'utiliser, j'ai juste besoin d'un pinceau. Prends un peu de produit et dépose-le sur tes lèvres. Et en deux temps, trois mouvements, j'ai fabriqué un gloss coloré. Oh waouh! Ça marche super bien! Une fois que c'est sec, il suffit de retirer la pellicule. Tu vois, tes lèvres restent colorées. Cela teinte les lèvres et ça va rester en place toute la journée. Pas besoin non plus d'avoir peur que ça parte en enlevant un pull. Tu es vraiment un génie! Merci! Maintenant, je me remets à mes pinceaux. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de sortir dans une tenue toute neuve et magnifique? Rien ne peut gâcher ce moment. Hein? Est-ce que ce sont des pigeons? Bonjour les oiseaux! Est-ce que l'un d'eux vient tout juste de mon tout nouveau chemisier? Il faut que je prenne une douche. Ah, à l'aide! C'est bon, les bras en l'air. D'accord. Je t'enlèverai ça en un rien de temps, tu vois? Passons maintenant aux pièces du bas. Ou plutôt à ta nouvelle robe. Il suffit d'un ou deux coups de ciseaux et tu auras une nouvelle tenue. D'accord, passe ton bras, s'il te plaît. Waouh! Il reste juste à faire la synchronisation. Tu as besoin de cette ceinture plus que moi. Presque terminé. Oh, doucement! Hé, cette nouvelle tenue n'est pas mal. Elle est encore plus mignonne que la première, merci. Pas de problème, maintenant va sur le podium. Oh, fais ce que tu as à faire, ma fille. C'est ce que j'appelle une fille épique. Attention au vent! Oh, waouh! Mon sourire est-il suffisamment amical? Oui, il l'est. Oh, mon téléphone! Attends, il y a une fête à 6 heures? Tu veux vraiment y aller? Certainement! Oui! Combien de temps avons-nous pour nous préparer? Il semble que ce soit dans moins d'une heure. Nous devons prendre des décisions rapides. C'est bon! Que la course commence! Qui sera la plus rapide? J'espère que t'es prête. À vos marques, prêts, partez! Oh, il ne faut pas dépasser la ligne ici. Mes sourcils sont-ils trop pleins? Et ils sont prêts. Je ferai mieux de continuer. J'espère que cette ligne est droite. Et je passe à l'autre œil. Et c'est fait! Ah oui! Je peux aussi me mettre de l'eyeliner, tu sais? Des yeux ailés pour gagner. Facile, facile. Oh, on va être en retard. Ok, les yeux sont faits. Oh! Ok, Sunny, dépêche-toi. J'ai fini. À moi de jouer. On se met du rouge sur les joues. Oh, j'ai toujours mon front à maquiller. T'as presque fini, Mindy. Excellent. Le gloss ne devrait pas prendre trop de temps. Tu vois, c'est fait. La pression est à son comble. Oh, le crayon à lèvres prend toujours une éternité. Mais si je fais attention, tout devrait bien se passer. D'accord, c'est presque fini. Maintenant, place au gloss. Presque terminé ici. J'en veux beaucoup aujourd'hui. Joli, ça a l'air bien. Il reste 10 minutes. J'espère que les gens aiment mes cils bleus. Ils complètent si bien l'orange. Tu vois? Waouh! De si beaux cils! Voici comment les obtenir.
Commence par gratter de l'ombre à paupières bleues. Prends-en un peu et dépose-le dans un mascara transparent. Introduis maintenant la baguette et mélange un peu, jusqu'à ce que tout devienne bleu. Il ne te restera qu'une seule chose à faire. Et tu en as un tube entier. Waouh, c'est si simple! Il est 5h55! Allons-y! On s'arrête? Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens remplacer la boule disco. Ah, d'accord, allez-y. Pourquoi est-ce que tu as apporté une boule disco? Oh, c'est pas une boule disco! Je vais vous montrer. D'abord, j'ai pris une petite pastèque. J'ai attrapé ma bombe de peinture argentée comestible et j'ai recouvert la pastèque entièrement. Ensuite, j'ai fait de petits carrés de papier aluminium et je les ai collés sur le pastèque. Je les ai alignés bien régulièrement et voilà le résultat! Qui veut de la pastèque? Waouh! Elle est super fraîche! Il faut rester hydraté si l'on veut faire la fête toute la nuit! Arrêtez-vous là! Qu'est-ce que c'est? C'est pour remplacer la boule disco! Je suis le réparateur! Mais si vous êtes le réparateur, alors qui est? Cette boîte est vraiment étrange! J'ai compris! Oui, oui, ça me semble tout à fait logique! Je ne fais que mâchouiller mon cordon, rien de grave! Est-ce que Jake est en train de manger? Je dois voir ça de plus près! On dirait son cordon de veste! Attends! C'est quoi ça? Ce n'est pas un cordon! Jake, pas de bonbons en cours! Oui, pardon! Bon, j'ai quand même faim! Oh, je crois que j'ai une idée! Je vais prendre une gorgée d'eau! Oh, cette eau est tellement délicieuse! Je veux dire, désaltérante! Jake, je te vois! Tu ne peux pas manger de bonbons depuis ta gourde non plus! Bon, d'accord... Sérieusement, retourne travailler! Il est toujours en train de mastiquer son crayon! Cela me donne une idée! Allez, c'est l'heure de manger des bonbons! Je retire le capuchon de mon surligneur et je retire le feutre dedans. Je n'oublie pas la pointe. C'est plus gros que je ne l'aurais pensé. Il ne faut pas oublier de le nettoyer. Allez, prochaine étape, le bonbon. Je vais le faire glisser dans le marqueur. C'est la taille idéale. Je remets les extrémités. Et voilà! Super! Un surligneur comestible! C'est trop bon! Je pourrais manger ça toute la journée. Jake? Qu'est-ce que tu manges? Je ne mange pas. Je ne fais que mâchouiller mon surligneur, comme vous. Oh, j'imagine que ça va alors. D'accord. D'accord. J'en reviens pas que ça ait marché. Vu que je suis en retard, j'ai raté quelque chose. Que des choses ennuyeuses. J'aurais dû manger avant de partir. Je vais juste grignoter en cachette. Mes chips préférés. J'en ai l'eau à la bouche. Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles. Pardon. Je vais attendre. Ne m'obligez pas à faire ça. Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez! Bien! J'irai grignoter ailleurs. Ces règles sont trop nulles. On me laisserait mourir de faim? Et où est mon classeur?
Je crois qu'il peut me servir. Oui! Vide ton paquet de chips et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci et clip-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet. Puis enroule le paquet. Et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir, passe les pinces à travers les anneaux. Puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella? Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Appleby ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vu. Tu as vu quoi, Betty? Comment est-ce qu'on a pu se faire prendre? Hé, enlevez vos cagoules! Oula, elle ne rigole pas. Vous pourriez dire s'il vous plaît? Contente, prenez bien mon bon profil. Pas de produits de contrebande en prison. Je vais vous retirer tout ce maquillage. Non! Tout mais pas ça! Non! S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça! Comme si ça pouvait encore empirer, pas de maquillage! Bonjour, monsieur. Pouvez-vous faire un peu de place? Oh, bien sûr, excusez-moi. Merci, je viens voir Sophia. Très bien. Avant ça, il faut juste que je donne à manger à ce bout de chou. Rapidement. Oh non! Il me fait pipi dessus! En plein dans le mille. C'est horrible! Faites qu'il arrête! Je vais vomir. Ça a fonctionné à merveille. Du jus de pomme. Allez, c'est parti! Youhou! Allez, viens là! Tu es venu me voir? Oui! Et j'ai une surprise. C'est qui ce bébé trop mignon? Elle est devenue folle. Pourquoi est-ce que tu as une poupée? C'est un leurre. Regarde ce qu'il y a dans le berceau. Mais non, du maquillage! Essaye ça. La couleur est super jolie. Oh oui, qu'est-ce que j'aime ça! Je peux en prendre un peu? Merci, j'en avais besoin. Cette journée n'en finit plus. Bonjour, je suis venue m'entraîner. Super, mais rappelle-toi les règles. Pas de bonbons ni de nourriture. Je vais devoir regarder dans ton sac. Pas de soucis. Je suis sûre que ça va aller. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Oh oh! C'est quoi ça? Des bonbons, sérieux? Il n'y en a que quelques-uns. On peut en discuter? Fiche le camp. Ça me semble un peu exagéré. Attends. Et si ce tiroir me donne une idée? Ça pourrait marcher. Je reviens. Oui, tout le monde dit ça. Je commence par prendre une basket. Il me faut également un cutter. Je vais découper un petit trou dans la chaussure. Puis je prends une boîte d'allumettes. Je la vide et je l'insère dans le trou. C'est pile la bonne taille. Je remplis la boîte de bonbons. Personne ne saura jamais rien. Je t'ai demandé de partir. T'as qu'à vérifier mon sac. Waouh, il y a vraiment des gens sans gêne. Si je trouve encore un seul bonbon, je vais me fâcher. Hein? Il n'y a rien du tout. C'est vraiment gênant. Voilà ta clé de casier. Bonne séance. Merci. Je vais commencer par quelques étirements. Ah, ça fait du bien. Oh, quelqu'un arrive. Je crois que la voie est libre. C'est l'heure de manger un bonbon. Tous ces étirements m'ont ouvert l'appétit. Je l'ai bien mérité. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, où j'en étais? Hé, arrêtez-vous là. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées à partir d'ici. Mais ma copine a besoin de ses petits encas! Lisez les panneaux! Oh, les gens essayent toujours d'enfreindre les règles! Qu'est-ce que je suis censée faire avec toute cette nourriture maintenant? Je sais! Je vais les faire passer en cachette! Haha, le trench à nourriture! Une diversion classique! Bon, maintenant je dois juste paraître détendue et passer comme si de rien n'était! Excusez-moi.
Bonjour, je viens rendre visite à mon ami. Très bien, entrez. Tant que vous n'avez pas de nourriture. Oh non, les bonbons! De la nourriture, je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance. Pas avec ce manteau douteux. Dehors, vous connaissez les règles. Je vous jure, c'est tous les jours pareil avec ces personnes-là. Il faut juste que je marche sur la pointe des pieds, aussi silencieusement que possible. Je ne vois pas d'autres personnes de la sécurité. Et le médecin est endormi à son poste. Génial! On dirait que la voie est libre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une alarme sur la porte! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'alarme s'est déclenchée? Personne ne m'avait dit qu'il y aurait tellement de travail administratif une fois médecin. Bonjour, je viens rendre visite à mon ami. Waouh, vous êtes vraiment gâtée. Passez. Merci beaucoup. Oh, regardez-moi. Qu'importe. Phew, j'ai enfin réussi à entrer. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as manqué! Waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es géante? Attends un peu, regarde ça! J'ai rembourré mon soutien-gorge avec des bonbons! Oh mon Dieu, pas possible! Donne-moi ça! D'accord, tiens! Et ne t'inquiète pas, en dehors de l'hôpital, il y en a plein d'autres! J'ai même amené un sachet entier de chips! C'est la meilleure! Ces encas m'ont tellement manqué! Merci! Pas de problème! Je dois y aller, mais je reviendrai plus tard! Encore merci pour la nourriture! Oh, vous êtes les meilleures sucreries! Oh non, elle vérifie qu'on n'a pas de bonbons! Je crois qu'elle a une sorte de baguette magique pour trouver la nourriture! Non, pas les sucreries! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas abandonner mes chéris! Il faut que je les cache à un endroit où elle ne les trouvera pas. Ça rentre peut-être dans mes chaussures? Bon, je vais juste tout mettre sous mon t-shirt. Oh, aucun de mes plans ne fonctionne. Oh, ces livres sont tellement lourds! Non! Ma map monde! Elle est cassée! Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ne bouge pas. Map monde, je reviens. Hé! Mais la map monde est la solution! Ok, ma petite planète, tu viens avec moi! Bonjour madame, je suis prête pour aller en cours. Avant ça, il faut que je vérifie que tu n'as pas de nourriture. Oh, j'espère que mon plan va marcher. Bon, on dirait que tu n'as rien. C'est bon, tu peux entrer. Et bonne idée d'avoir amené la map monde. C'est bon, la prof me tourne le dos. Je peux ouvrir la map monde et prendre un petit goûter. Et il faut juste que je la referme après. Ouais, j'adore cette barre-là. Parfait! On va faire bouger ses jambes et faire monter ce rythme cardiaque. Vous êtes au top! Allez, on garde ce rythme cardiaque élevé! Plus que 30 minutes! Vous voulez voir des résultats, non? Oh! Il ne remarquera pas que j'ai arrêté. Lily? Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur les cours de sport? Bon, en fait, il a remarqué. Tu pourras le récupérer plus tard. Mais pour l'instant, on affine cette taille. Il vaut mieux que je fasse vite. Heureusement que j'en ai pris d'autres. Je sens que ça brûle. Et qu'une bulle arrive. C'est juste mon ballon d'exercice, vous voyez? Je trouve que tu tiens quelque chose, là. Bonne idée, Lily. Et 1, 2, 3, wouhou! Allez, la défense! Allez! Prenez cette balle et marquez! Allez, allez, allez! Hé! Hey, tu veux quelques chocolats? Non! Tu n'as pas vu le panneau? La nourriture est interdite et il faut respecter les règles. Ils vont marquer! Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Waouh! Je suis fichue! Qui mange autant de chocolat?
Je vous en prie, n'appelez pas mes parents! Oh oh! Oh. Je vois des étoiles! Mais je vois aussi une idée géniale! Oh ouais! Je reviens! Prends une balle de basket et entaille-la avec un cutter. Tu vois tout cet espace libre? On va le remplir. Et il y a assez de place pour faire entrer beaucoup de choses. Oh! J'ai pris ma balle, vous voyez? Eh, tu te sens mieux? Quoi? C'est incroyable! Mes préférés! Ce match est bien plus amusant à regarder avec ça. Oh oh! Cache tout! Je regarde juste le match, coach! D'accord. Faute! J'adore les dimanches après-midi! Oh, la voilà! C'est pour vous! Je ne comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que mon petit ami fait dans ces photos? Et qui est cette fille avec qui il est? Regardez comment il la fixe! J'en reviens pas! Croyez-le, les caméras ne mentent pas. Ah, c'est rafraîchissant. C'est à vous de jouer maintenant. Ah, c'est terrible! Salut bébé, surprise! Surprise? Bonjour! C'est pour toi! Et c'est pour toi! Tu peux m'expliquer? Et alors, allez, parle! T'es sérieux? Oh! Adieu! Oh! Pourquoi les garçons sont-ils si compliqués? J'aurais dû le savoir! Pourquoi ne m'aiment-ils pas? C'est tellement injuste! Hein? C'est Kevin! Il veut sortir avec moi? Waouh! Je vais lui envoyer une photo pour confirmer! Waouh! Pas avec ses yeux de raton laveur! Je savais que j'aurais dû mettre du mascara waterproof! Il ne s'enlève pas! Allez! Alors, qu'avons-nous là? Des larmes de mascara? J'arrive! Bonjour à nouveau! Commençons par tout enlever d'ici. Que se passe-t-il? Cela ne prendra qu'une seconde. Non, s'il te plaît! C'est juste du ruban adhésif, tu vois. Oh! Je vais te montrer comment faire. Une fois que tout est en place, choisis ta teinte. Applique ensuite le produit sur la paupière comme suit. N'oublie pas de faire les deux côtés. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, un travail bien fait. De quoi ça a l'air? Tous les résidus de mascara ont-ils disparu? Parce que je me sens bien. Oui, c'est bien. Je ferai mieux d'y aller. Merci beaucoup. Hein? C'est moi, tu vois? Je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule. Fantastique! Ce n'était vraiment pas un problème. Au revoir. Hé, quoi de neuf? Oh non, qu'est-ce que c'était? Je ne vois rien. Mindy? Qu'est-ce que c'est? Tes fesses! C'est collé à ta jupe! Hein? Oh non! Oh! Je peux pas rester ici! Mindy, attends! Oh, où vais-je aller? Oh, où vais-je aller? Je veux que personne ne voie mon derrière! Mindy, tout va bien! Écoute, j'ai des vêtements de rechange! Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut! Je dois juste les trouver! Tadam! Voilà, tu peux les porter! Je pense qu'ils t'iront bien! Oh, merci! Fais-moi savoir s'ils te conviennent! On enlève l'ancien et on enfile le nouveau! Oh! Je pense que nous avons un problème ici. Oui. Ils sont beaucoup trop grands. Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. J'ajusterai simplement l'endroit où je le boutonne. Il suffit de le passer dans la boucle
Ensuite, il faut le boutonner comme à l'accoutumée. Tu vois? Oh, waouh! C'est incroyable! Oh! Oui, on devrait y aller. Le travail d'équipe permet de réaliser les rêves. Ah, j'ai bien compris. Oh oui! Ouf, je suis à l'heure pour le cours. Je pensais que j'allais être en retard. Stop! Pas si vite! Tu n'as pas de maquillage sur toi, hein? Tu sais que c'est interdit. Non, j'ai rien. Je ne vois pas de quoi vous parler. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Oh, rien! Seulement des trucs inutiles. Attends, c'est quoi ça? Je suis très déçue, Lizzie. Donne-moi ça. Mais j'ai pas envie. Bon, d'accord. Et le reste? C'est vraiment pas cool. Voilà, j'ai rien de plus. Vous avez tout. Il n'y a pas quelque chose qui est tombé? Non, j'ai rien vu. Waouh, quel caractère! J'arrive pas à croire qu'il ait pris mon maquillage. Heureusement, il n'a pas tout pris. Et cette fois, il ne trouvera rien du tout. J'ai une planque secrète dans mes chaussures. Un compartiment caché spécial maquillage. Dans le cas présent, mon baume à lèvres. J'adore ce truc. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Un petit coup sur mes lèvres et elles seront parfaites. Cette couleur est magnifique. C'est pile ce qu'il me fallait. Mouah! Qu'est-ce que je suis belle! Oh, salut Elsa! Salut! Attends, je prends mes AirPods. Je ne sors jamais sans. C'est un accessoire indispensable de ma routine de beauté. J'adore cette couleur. Elsa, qu'est-ce que tu fais? Attends, ça marche pour de vrai? Je vais essayer. J'ai toujours rêvé de porter du rouge à lèvres bleu. Hein? Ça ne fait rien du tout. Bonjour tout le monde. Inspirez profondément et expirez. Maintenant, joignez vos paumes et penchez-vous en avant. On recommence. Wow! Hein? Pas encore! C'est trop gênant! Je n'arrive pas à croire que je suis en retard! Hic! C'était moins une! Je suis encore coincée! Ça devrait marcher! C'est quoi ce bruit? Il faut juste que je déroule mon matelas à cet endroit et je serai fin prête. Mais d'abord, un petit grignotage. Je l'ai mis du mauvais côté. Bras tendu, c'est ça? Les paumes vers l'intérieur. Quand est-ce qu'elle est arrivée là? Incroyable! Elle n'y a vu que du feu! C'est le moment ou jamais! Autant profiter d'être penchée au sol pour prendre un peu de ça. Vite! Juste une toute petite bouchée. Oh! Maintenant, on tend les bras! Arrêtez-vous! Où allez-vous? Je vais juste par là. Oh, c'est vrai! Vous ne cachez rien sur vous par hasard. Il fait chaud ici ou c'est juste moi? Je dois juste amener ce kit de premier secours, c'est tout? Oh, eh bien pas de problème dans ce cas, allez-y. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait peur? J'ai l'impression que je viens de sortir d'une opération compliquée dans laquelle j'étais le chirurgien. T'as réussi? Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Oh, ce médecin à l'accueil est vraiment horrible! Mais qu'importe, regarde ce que j'ai apporté. Waouh, c'est comme un kit de premier secours de bonbons. T'es vraiment la meilleure. Merci beaucoup. Cette tablette Milka va être délicieuse, je le sens. Ouais, j'avais raison, elle est exquise. J'adore manger des bonbons, je me sens toujours mieux après. Oh mince, il n'y a plus rien à boire! Oh, ne t'inquiète pas, j'ai prévu le coup! Tu te moques de moi? C'est super répugnant! Oh là là, mais regarde! Burk! Je ne veux pas te voir faire ça! Tout va bien! J'ai pris une canette de soda, d'accord? Et ensuite, j'ai juste glissé cet insufflateur dedans!
C'était facile d'aspirer tout le soda dans la pompe. C'est super malin! J'en veux bien, s'il te plaît! Avec grand plaisir! Tout d'un coup! Ah, c'est rafraîchissant! Maintenant, cours atteindre ma bouche! N'avancez pas plus! Vous ne pouvez pas avoir de nourriture ou de boisson avec vous, ici. Mais mon goûter! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est quoi ça, là-bas? Oui, cet aquarium me donne une idée. Ok, j'ai mon sac de Sprite, ça ressemble à de l'eau. Et j'ai mon requin en bonbon. Va dans l'eau, petit poisson! Oh, c'est mon poisson de compagnie! Oh, trop mignon! Allez-y, passez! Mon poisson et moi vous remercions. Juste une seconde. C'est le moment de prendre une gorgée. En voilà un bon Sprite au poisson. Hé, qu'est-ce que vous... Oh, désolée. Il faut croire que j'ai entendu des voix. C'était moins une. Je l'entends encore. Ce bruit! Je pourrais jurer entendre quelqu'un boire. Cette fois, je vais la prendre sur le vif. Ah ah! Attendez, qu'est-ce que vous faites? Non! Ne mangez pas votre poisson! Oh non! Oups! Je vais juste prendre une autre gorgée. Oh, Brian vient de m'envoyer un message super mignon! Oh non, c'est aujourd'hui le contrôle! Donne-moi ton téléphone. Celui-là aussi. Sérieusement? Je ne veux pas lui donner mon téléphone. Ah, tenez! Il est beaucoup trop important pour moi. C'est quoi ce bruit? Hé, petite, j'ai besoin de ta brique de jus de fruits. Désolée! Mais c'est à moi! Au grand mot, les grands remèdes. J'espère vraiment que ça va marcher. Je vide la brique et je découpe le carton. Je place un morceau de scotch double face sur la coque de mon téléphone. Ça va me permettre de coller le téléphone dans la brique. Ensuite, je prends une paille, je la glisse à l'intérieur et voilà, le tour est joué. Pardon pour le retard. Assieds-toi, Elsa. Phew, qu'est-ce que j'ai soif. Heureusement que j'ai pris une brique de jus de fruits. Personne n'a remarqué. Je peux chercher les réponses sur mon téléphone. Mais il ne faut pas qu'on me voie. Si tricher était une matière, j'aurais de super notes. Je m'en sors pas mal. Et voilà, terminé. Phew, ça m'a donné soif. Je sens que je vais avoir une bonne note. Je suis un génie. J'ai faim tout d'un coup. Attends, mon crayon, bien sûr. Et si c'était en fait un bonbon? Yes, je vais le manger. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? David, stop! Hein? Quoi, t'en veux? Si je veux manger ton crayon. Un crayon? Oh, c'est vrai, j'imaginais que c'était un bonbon. Oh, David, tiens, laisse-moi te montrer en quoi mon crayon est différent. D'abord, je prends du chocolat, puis je le mets sur une cuillère et j'attrape mon sèche-cheveux. Je fais fondre ce chocolat, puis je prends mon crayon. Les gommes sont assez faciles à enlever. J'ajoute un petit tube à cette extrémité du crayon. Comme ça, je n'ai plus qu'à verser le chocolat fondu à l'intérieur. Oh, regarde ça, ça a l'air trop bon. Mais j'ai besoin d'attendre que ça refroidisse. Et tada, une gomme en chocolat sur mon crayon. Tu as bien suivi, j'espère. Tiens, tu peux y goûter. Waouh, merci Madison, tu es géniale. C'est trop bon, ça fait vraiment du bien en plus. David, non, arrête, le reste du crayon n'est pas en chocolat. Oups, c'est vrai, j'avais encore oublié. Autant pour moi. Quelle soirée, la fête bat son plein. Halte là, s'il te plaît. C'est vraiment nécessaire. Ce sont les règles. Aucun objet de contrebande ne passera ses portes. C'est quoi? J'en étais sûre. Qu'est-ce que tu comptais en faire? Les boissons et la nourriture sont interdites. Oh, je n'ai jamais vu ça avant. Je dois y aller. Est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. Ça va, je ne veux pas. Oh! Salut, tu es très jolie.
tu viens de me donner une idée. On se recroisera peut-être. J'espère. Halte là. Burke, elle a plein de boutons. Je dois vérifier ton sac. Je t'en prie, tu n'aurais pas un nettoyant pour le visage à me conseiller par hasard? Non, ma peau est parfaite. Il n'y a rien là-dedans. Tu peux entrer. Que la fête commence. Ciao. Tous ces bonbons, c'est dramatique. J'ai réussi. Je peux les enlever maintenant. C'est bon. Et comme on se retrouve? Même pas en rêve. Oh, ce travail est parfois ennuyant. Oh, quelqu'un arrive. Laisse-moi voir. Tu connais les règles? Pas de maquillage autorisé. Quoi? Moi? Oh, évidemment, je n'ai pas de maquillage. Bon, je ne vais pas te croire sur parole. Mon sac? Oh, bien sûr. Tu peux vérifier. Laisse-moi voir. Attends une seconde. Tu te prends pour qui? Donne-moi tout ça maintenant. Bien sûr, tu parles de ça. C'est mon journal. Et voici mon téléphone aussi. Et ça? Ça? C'est du maquillage que tu as essayé de faire entrer en douce. D'accord, je suis désolée. Je vais vite m'en débarrasser. Zut! Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait attrapée. Attends une seconde. Mon journal! C'est ça la solution. Je vais commencer par découper une section au milieu des pages. Parfait! Comme ça, un bon rectangle. Et maintenant, je vais retirer toutes les pages. Et je veux aussi que ce soit joli. Ce tissu scintillant fera parfaitement l'affaire. À présent, je peux mettre mon maquillage dans le journal. Et voilà, il est temps de le refermer. Maintenant que je suis à l'intérieur, je peux dévoiler mon maquillage secret. Juste un petit relooking et retour à la danse. Rien de pire que d'être en retenue. Oh mon Dieu, j'ai faim en plus. Est-ce que le professeur me regarde? Bon, je pense que je peux chipper une collation. Ces chips feront l'affaire. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hé hey. Tu connais les règles ici. Désolé. Ah, il est si méchant. Je garde les yeux sur toi. Attends une seconde. Je pense que je suis un génie. J'ai besoin de mon plumier. Car il contient en réalité plus de bonbons. Ah, bon, où est mon taille-crayon? J'ai besoin de tailler ça. J'arrive pas à croire que ça fonctionne. Je suis si intelligente. Qu'est-ce qu'elle mijote? Oh, je suis juste en train de tailler mon crayon, vous voyez? Maintenant, je retourne à mon écriture. Tout semble en ordre. Ok, il a l'air de nouveau distrait. Il est temps de manger un morceau. Miam, trop bon. Je suis si intelligente. Je veux pas aller à l'école, maman. Debout, on ne dort pas dans les cellules. 1, 2, 3. Quoi? Debout, il faut se lever. Bouge. Oula, elle n'est pas sympa. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, une nouvelle matinée chargée. Je vais me maquiller. Elle enfonce le couteau dans la plaie. Ouh, c'est joli ça. Il faut que je sois jolie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Rien, sérieux. Je m'occupe des papiers administratifs. Vous n'avez pas besoin de papier pour ça. Il y a quelque chose de louche, peu importe. À plus tard. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma matraque? Oh, ça me donne une idée. Je vais faire une sieste. Je suis crevée. J'ai entendu sieste. Debout. On ne dort pas. Allez. Ne me fais pas me lever. C'est le moment ou jamais. Ça a marché. Je me sens trop glamour. Comment elle... Où? Quoi? Tu m'as eu. Ne refais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça. Sophia, j'ai amené nos chocolats préférés. Ça a des avantages d'être ta voisine de classe. Je ferais mieux de sortir mes affaires. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant aujourd'hui. Avant ça, j'ai vraiment besoin de sucre pour réussir à me concentrer. Merci beaucoup.
Ces emballages sont durs à ouvrir. Allez! On dirait qu'il est enfermé à l'intérieur. Et un beau jour, la Pangée s'est divisée en... Sérieusement? Les règles, ça ne vous dit rien, les jeunes! Oh mon Dieu! Reste cool! Fais semblant d'écouter! Qu'est-ce qui se passe par ici? Des chocolats, hein? Elle ne peut pas les prendre comme ça! Je te jure que mon cœur s'est arrêté! Où j'en étais? Les adultes sont trop injustes! Ce baume à lèvres a la forme de mon chocolat! Il faut la même taille! Fais-moi voir ça! D'abord, ouvre le baume à lèvres. Retire le baume à l'aide d'une cuillère. Une fois enlevé, tu peux mettre le chocolat dedans. Il est parfaitement caché, tu vois? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Waouh! C'est ingénieux! Oh bon! Toi, tu as refait ma journée. Comme je disais! C'est l'heure de faire une pause. Quelle hypocrite! Une entrée. D'accord, mais sans ça. Pas de nourriture dans la salle. Mais je viens de l'acheter. S'il vous plaît. Hors de question de vous laisser entrer avec ça. Il faut que je la joue fine. Regardez mes pompons. Je suis une pom-pom girl, vous voyez? Go team! Waouh, yeah! Juste une entrée, monsieur. Une tenue surprenante pour aller au cinéma. Mais j'aime ça. Merci. Passez un bon moment. Encore une journée de cours ennuyeux. J'aurais bien besoin d'un coup de fouet. Envoyez-moi une bonne dose de sucre. Rien que l'odeur est enivrante. Hé! Hey! Est-ce que je sens ce que je crois que je sens? Hein? Ok, vas-y. Juste un croc, ok? Hé! Hey! Tu manges tout! C'était trop bon. Ouais, sans blague. Ma barre de chocolat. Je dois apprendre à cacher ce genre de choses. Des sales pattes de Bella. Mais comment? J'ai un paquet de crayons, c'est sûr. Ça me donne une idée. Scotch tes crayons de couleur en ligne droite. Place une barre de chocolat à une extrémité. Et enroule-les comme un burrito. Comme ça, elle sera totalement cachée. Ce chocolat est tout à moi. Essaye de me le voler maintenant, Bella. J'aurais dû y penser avant. Ça sent le chocolat? Je ne vois rien. Quoi? J'ai rien du tout. Mon nez doit me jouer des tours. Ou alors, c'est parce que j'ai faim. Ils sont vraiment drôles. Personne ne me voit. C'est le moment de prendre un petit chocolat. Papa, t'es où? Mince, les enfants arrivent. Tu pourrais m'aider à accrocher ce cadre dans ma chambre? S'il te plaît, ça sera rapide. Bon, d'accord. Donne-moi le marteau et les clous. Merci! Oh, des fruits! J'en prendrai bien, hein? Il cache des chocolats! Désormais, sa réserve est à moi! C'est bon! Il est bien placé! Oh non! Il revient! C'est tout bon, Tina! Ton cadre est accroché! Merci beaucoup! Tu es le meilleur papa du monde!
Elle est bizarre parfois. Allez, je suis de nouveau tranquille. Je vais m'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Oh, les chocolats ont disparu. Tina! C'est un défilé de très haute couture. J'ai une règle pour mon défilé. Les bonbons sont interdits. D'accord, on comprend. Et le chocolat aussi. Je déteste ça. Si vous avez un petit creux, vous pouvez prendre du céleri. C'est sain et délicieux. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Heureusement qu'on avait prévu le coup. Je ne veux pas manger ce céleri, ça me dégoûte. Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai un plan. J'ai amené des Skittles en cachette. Tiens, tu peux en prendre aussi. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des bonbons? Ils sont interdits. Je vais les confisquer. Je suis vraiment désolée qu'il ait pris tes bonbons. Mais tiens, regarde ce que j'ai. Des chaussures. Mais ce ne sont pas que de simples chaussures. Tu as collé des Skittles sur tes talons? Trop intelligent! Tiens, prends-en un jaune. Je sais que c'est ta couleur préférée. C'est tellement meilleur que ce vieux céleri. Oh mon Dieu! Je viens d'avoir une idée géniale! Je reviens tout de suite! Ah! Bon, eh bien, je suppose que ça fait plus de Skittles pour moi. Hé, regarde! Je suis de retour! Et avec des vêtements tout neufs! Waouh! Tu as créé toute une tenue en Skittles! C'est plutôt joli, non? Oh non! Il est de retour! Elle va encore se faire prendre! Qu'est-ce qu'on a là? Cette tenue? Je n'en crois pas mes yeux! C'est magnifique! Sublime! Un chef-d'œuvre! Oh! Oui, je l'ai faite moi-même! Et je trouve qu'elle est délicieuse! Tu sais ce qui rendrait le cours plus intéressant? Hé! Hey, tu en veux? Je crois que ne s'en rendra même pas compte. Il parle vraiment beaucoup. Excusez-moi! Il arrive? Reste naturel. Bonjour, monsieur. Non, s'il vous plaît, pas mes bonbons! Quel crétin! Pas de panique. Sophia? Je ne veux pas prendre le risque. Sophia! Je suis sérieuse, je ne veux pas de problème. Bon, ça en fera plus pour moi. Je ferais mieux de me concentrer. Attends une minute. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? J'ai une idée géniale. Prends un pot à crayon comme ça. Puis trace le fond du pot. Ensuite, tu peux découper le cercle. Dépose de la colle chaude au milieu du disque. Un schéma en zigzag permettra une bonne accroche. Ensuite, colle tes crayons, lamine vers le haut. Parfait. Maintenant, le pot à crayon. Une fois tes bonbons à l'intérieur, on repose les crayons dessus. Et voilà! Tu veux prendre le premier? Mes préférés sont les bleus! Recouvre-les avant que le prof ne les voie. On sait être vicieuse. C'est l'heure du deuxième tour. La prof regarde. Elle est tournée vers le tableau. C'est le moment ou jamais. Attention, je ne veux pas attirer son attention. Attendez un instant. Tu te croyais si maline? Il est temps que cela s'arrête. Excuse-moi. Oui, c'est moi. Tu connais les règles. Oh, d'accord. Voilà mon rouge à lèvres. Personne ne peut échapper à ma surveillance. En plus, ce rouge à lèvres était tout neuf. Hé, ce crayon me donne une super idée. Oui, c'est sûr que ça peut fonctionner. Commençons par le commencement. Je vais devoir enlever cette gomme. Maintenant, je vais mettre une paille au bout du crayon. Il va falloir que je retire ce qui dépasse. Maintenant, j'ai besoin d'un rouge à lèvres. Je vais le chauffer dans cette cuillère pour qu'il fonde. Maintenant qu'il est liquide, je peux le verser dans la paille. Attention, je ne veux pas en renverser. Et voilà, il a séché, donc je peux retirer la paille.
Ça a marché! J'ai une gomme en rouge à lèvres sur mon crayon! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Rosie, c'est du maquillage? Oh non, madame! Ce n'est que mon crayon! Bien, ravie d'entendre ça! Allez, c'est l'heure du maquillage! Waouh, quelle belle couleur! Elle est juste parfaite! Ok, j'ai fini! C'est parti! Oui, ça a fonctionné à merveille! Le mien a fonctionné aussi! On est trop jolies! Top-moi une! Oh wow! J'ai failli oublier! Il faut que je les range dans la boîte! Oh! Pfiou! Le détecteur n'a pas bipé! Hé! Hey, j'ai une meilleure idée! Il suffit que je le cache! Parfait! Impossible que le détecteur le remarque! Oh non! Il veut ma peau! Bonjour madame! Quel est le problème? Je suis innocente, je vous jure! Je n'y crois pas! Oh, je n'ai vraiment pas envie de tout ça! Je peux peut-être faire quelque chose! Je vais mettre cet autocollant sur la coque de mon téléphone! Bien, maintenant je retire le papier! Et je vais ajouter ma palette de fard à paupières! Ça rentre parfaitement! Parfait! Je vais mettre mon téléphone dans la boîte! Oui, il ne s'est pas déclenché! Qu'est-ce qu'il y a sur la coque? Vous voyez, c'est pour tenir mon téléphone plus facilement. Ah, bon, d'accord. Assieds-toi! Cette histoire est excellente! Bon, je dois y aller. Je te rappelle plus tard! Bah, mon écran de téléphone est tout sale! Et mon visage ne va pas du tout non plus! Impossible que je reste comme ça! Il faut que je remédie à ça! C'est dégoûtant! Personne ne regarde, il faut que je continue. Bon, où est-ce que c'est? Je sais que c'est quelque part là-dedans. Je l'ai! J'ai besoin de cette feuille. C'était tellement rusé de ma part de fabriquer cette plante à maquillage. Ce n'était même pas dur à faire. J'ai pris un pot et j'y ai mis de la mousse florale. Ensuite, j'ai déposé un support et je l'ai recouvert de plastique. Parfait, pile comme ça. Et maintenant, le fond de teint. J'ai tout simplement placé la poudre sur le disque en plastique. Il en faut assez pour tout recouvrir. C'est bien. Ensuite, j'ai besoin de feuilles et de mon bon vieux pistolet à colle. Je vais juste ajouter un peu de colle au dos de la feuille. Comme ça, je peux fixer mon éponge à maquillage. C'est bon. Et maintenant, il est temps de planter cette fausse plante. Hop, dans le trou, et j'ai fini. Maintenant, je peux utiliser ma plante pour toute urgence maquillage. Il faut juste que je reprenne ce que mon téléphone a enlevé. C'est bien mieux. Oh, la prof arrive! Attendez un instant, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Oh, je regarde juste cette plante! Bon, je suis heureuse de voir ça. Crise maquillage évitée! Sont vraiment drôles! Personne ne me voit. C'est le moment de prendre un petit chocolat. Papa, t'es où? Mince, les enfants arrivent! Tu pourrais m'aider à accrocher ce cadre dans ma chambre? S'il te plaît, ça sera rapide. Bon, d'accord. Donne-moi le marteau et les clous. Ouais! Merci! Oh, des fruits! J'en prendrai bien, hein? Il cache des chocolats? Désormais, sa réserve est à moi. C'est bon, il est bien placé. Oh non! Il revient! C'est tout bon, Tina! Ton cadre est accroché! Merci beaucoup! Tu es le meilleur papa du monde! Elle est bizarre parfois. Allez, je suis de nouveau tranquille. Je vais m'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Oh, les chocolats ont disparu! Tina!
Waouh, ce défilé est génial! Ok, personne ne regarde, c'est l'heure d'un petit goûter. Où est-ce que tu as trouvé ce croissant? Je meurs de faim, je n'ai rien mangé depuis des heures. Oh non, je dois cacher ça. Il me manque un peu de poudre ici. Voyons voir. Peut-être celle-là. Oui, celle-là fera l'affaire. Et qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce que je vois? Des miettes? Quelqu'un a mangé par ici. Tu as amené de la nourriture. De la nourriture au milieu de mes vêtements. Quelle est cette viennoiserie répugnante? Je vais te dire ce que c'est. Une ordure. Et toi, tu caches quelque chose? Non. Bon, bien joué, j'imagine. Elle est enfin partie. Heureusement parce que je meurs de faim et que j'ai besoin d'une sucrerie. Tu viens de manger du maquillage? C'est dégoûtant! Regarde, ce n'est pas du tout du maquillage. Je vais te montrer. J'ai pris un bonbon carré comme celui-là et j'en ai retiré l'emballage. Ensuite, l'étape suivante était facile. Je l'ai un peu ramolli dans mes mains. Je l'ai simplement fait rouler jusqu'à ce qu'il se ramollisse. Ensuite, quand il a pris une forme de boule, je l'ai un peu aplati. Puis, j'ai pris ma palette de maquillage et j'ai enlevé les fards. Le bonbon rentre parfaitement dans l'emplacement du maquillage. J'ai simplement tout rempli avec des bonbons. Donc, tu vois, je ne mange pas de maquillage. Goûte-en un! Oh, merci! C'est super bon! Bon. C'est le moment de cacher mes délicieux bonbons. Ce scotch va être mon arme secrète. Je vais simplement coller des bandes de scotch sous ma couverture. Parfait. C'est le moment de cacher les bonbons. Ouais, je suis trop intelligent. On dirait qu'il dort. Oh, qu'il est beau. On dirait un petit prince. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'aime! Tu es la meilleure maman du monde! Oh, tu es trop mignon! Ouf, c'était moins une! Allez, fais de beaux rêves! Je vais t'éteindre la lumière. Elle est partie! Enfin! C'est le moment de prendre un petit encas avant de se coucher. Donne-moi tes bonbons! Ah, c'est quoi ça? Ah! Un monstre sous mon lit! Vite! Sous la couverture pour qu'il ne me fasse pas de mal! C'est trop facile de te piéger! Tina? J'avoue, c'était plutôt bien fait. Tiens, des bonbons pour toi! Waouh! Ça fait beaucoup de Skittles! Je n'arrive pas à croire à quel point tu avais peur! Waouh! Regarde-moi tous ces bonbons! Oh, je n'arrive pas à les attraper avec mes mains de monstre! Bon, d'accord. Voilà pour toi! Ouais! Des bonbons! Trop bon! Personne ne regarde. C'est le moment ou jamais. Je ne crois pas, non. Vous connaissez les règles. Oh, c'est injuste. Regardez-le. Oh, j'ai un plan. Il y a quelque chose qui manque à ce tableau. C'est bon, je crois que la voie est libre. C'est le moment de faire illusion dans ce déguisement. Bonjour, je suis médecin. Je veux dire dentiste. Je vais y aller. Tiens, il me dit quelque chose. Il y a quelqu'un là-dedans. Je crois que je suis tranquille. Je peux enlever ce costume. C'était moi pendant tout ce temps. Et ma blouse de médecin a les poches pleines de bonbons. Et de tout ce qui existe de bon. Personne ne peut m'arrêter maintenant. Je peux manger autant de bonbons que je veux.
Je vais vite mettre tout ça dans ma bouche. Hé, rendez-moi mes vêtements! Oh, bonjour. Désolée, mais je vais faire la sieste, là. Allez, c'est reparti pour une journée de travail. Je ne dois laisser passer aucune sucrerie. Je prends mon job très au sérieux. Montre-moi ton ticket, profite bien du film. Voilà mon ticket. Merci. Hé, attends une seconde. Il y a un problème? Ce sont des bonbons? Certainement pas, mademoiselle. Aucune sucrerie dans la salle. Au revoir. Cette règle est ridicule. Ciao. Je viens voir le film. Mais regarde par là. C'est le moment de me changer. Oh, c'est pas mal. Je suis à croquer. Ces guimauves font un super accessoire. Waouh, incroyable. Coucou, je suis de retour. Et cette fois, j'ai pas de bonbons. C'est moi qui vais en décider. Voyons voir. Qu'est-ce que... Salut, mec. Des bonbons. Va-t'en d'ici. Quoi? C'est une blague? Je vais pas m'arrêter là. Allez, viens. Oh, j'étais certaine que ça marcherait. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je pourrais me servir de mon bandeau. Ça pourrait marcher. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, ça va le faire. Rebonjour. Halte, où sont les bonbons? Tu sais que je vais les trouver, pas vrai? Pas de bonbons cette fois, promis. Je n'oserais pas. Ah oui, vraiment? Fais voir. D'accord. Je ne vois rien du tout. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, tout a l'air en ordre. Tu peux entrer. C'est vrai? Je veux dire, merci. Je ferais mieux d'y aller. Waouh! J'en reviens pas que ça ait marché. La voie est libre. Tout ce que j'aime. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien vu. C'est bon! C'est pas ce que tu crois. J'attrape juste mes bonbons. Tiens, c'est pour toi. Quoi? Oh, génial! C'est sympa. Merci. Il faut toujours avoir un truc à grignoter devant un film. Ouais, si t'as de la chance avec l'agent de sécurité. Mais heureusement, je suis plus maligne que lui. Attendez, vous avez de la nourriture sur vous? Oh, pourquoi est-ce qu'elle est si en retard? Elle est où? Surprise, je suis là! Joyeux anniversaire! Ouais! Allez, on y va! Vraiment? Tu as vu les panneaux? Tu ne pourras jamais porter ce gâteau à l'intérieur! Quoi? C'est pas juste! Attends, viens là avec moi! Regarde, j'ai transformé le gâteau en chapeau! Mais non, c'est trop mignon! Ça va être génial! On y va! Encore vous? Vous essayez encore de faire entrer de la nourriture? Laissez-moi vous observer! Oh, j'aime votre chapeau! Trop mignon! Ok, c'est bon, vous pouvez y aller! Ouais, ça a fonctionné! On peut aller s'amuser! Wouh! Une soirée d'anniversaire en boîte! Allez, on attaque le gâteau! Miam! Ce gâteau est trop bon! Goûte un peu! Je ne vais pas me gêner! Allez! Ce gâteau est vraiment bon! Finalement, cette soirée d'anniversaire est géniale! Hein? Allez, il nous faudra une boisson. Attends! Où est passée ma boisson? Peut-être que je perds la tête. Et si on mangeait des chips? Attends! Où va toute ma nourriture? Jake! Oui, je me souviens. Pas de nourriture en classe! Qu'est-ce que je vais faire? Attends, qu'est-ce qu'elle mange? Elle n'a rien sur son bureau. Hé, hey, où est ta nourriture? Hein? Mais c'est juste un carnet? Non, regarde dedans! Prends un simple carnet, tu auras aussi besoin d'un cutter. Maintenant, tu vas devoir commencer à couper. Tu vas faire un grand carré. Retire toutes ces pages découpées. Regarde, tu as de la place pour tous tes bonbons. C'est la taille idéale. Maintenant, referme-le. Voilà, serre-toi.
c'est trop bon! Attention, le prof revient! Il y a de la nourriture par ici? Je suppose que non. Ouh! Bang! La mission des forces de l'ordre ne s'arrête jamais! Clownogramme! J'apporte ce gâteau d'anniversaire à Cheryl! Mais d'abord, voilà une part pour vous! Moi, avec grand plaisir! J'ai hâte de la manger! Merci, clown effrayant! Pas de problème, j'y vais! Joyeux anniversaire! Hé, c'est moi! Regarde! Cette perruque te va bien! Mais c'est mon anniversaire, alors donne-moi le gâteau! Et le vœu avant de souffler les bougies! J'espère qu'il va se réaliser! Tu veux peut-être du maquillage? Tada! Merci! Pile ce dont j'avais besoin! Il y a un prisonnier mignon qui me plaît bien! Alors c'est parfait! Je suis comment? Je me sens toute jolie! C'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire! Joyeux anniversaire! À bientôt! Dis donc, je ne m'attendais pas à ça! Trop bien, du maquillage! Et moi, j'ai du gâteau! Tout le monde est content! Wow! Ce n'est pas un vrai cœur, si? Tout ce cours sur les valves cardiaques m'angoisse! Oh, est-ce que je viens d'avaler mon ongle? Ça aurait pu me tuer! Ces ongles sont dangereux! Et je les ai presque tous mordillés! Regarde-les bien! Il ne faut que personne me voie avec des ongles pareils! Tu as un problème? Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, j'ai un problème à force d'avoir rongé mes ongles! Mais tu n'as pas à les laisser comme ça! La prof ne regarde pas, on est d'accord? Dis bonjour à ton nouveau meilleur ami! De la colle? Bon, je suppose que ça ne coûte rien d'essayer. C'est du vernis? Malin! C'est le moment d'une petite retouche! C'est déjà mieux comme ça! C'est parfait! Merci! Pour cette astuce, déverse la colle dans un récipient. Quand le flacon est complètement vide, place un entonnoir à l'ouverture. Prends ton vernis préféré et verse-le dedans. Cela peut prendre quelques minutes. Retire l'entonnoir et revisse le bouchon. C'est l'astuce la plus simple de tous les temps. Et regarde comme ils sont beaux! Je ferai mieux de faire l'autre main. Madison, j'espère pour toi que ce n'est pas du vernis. On n'est pas dans un bar à ongles ici. J'aurais dû être plus discrète. Mais c'est juste de la colle, vous voyez? Je suppose que tu as raison. Bon, on revient à la valve aortique. Encore merci! Il est temps pour moi de prendre un peu de Pepsi. Ah ouais! Voilà! Parfait! Ça va vraiment bien me désaltérer. Maintenant, j'ai aussi besoin de pop-corn. Les pop-corn et le soda forment vraiment une union parfaite. Miam! Trop bon! Les douches sucrées sont les meilleures. Je vous aime, les douches sucrées. Oh mon Dieu! Oh! C'était juste un rêve! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas lu l'affiche? Oh, non, elle a des ennuis car elle a des chips. Prenez vos chips et sortez d'ici. Hé, avancez, j'ai pas toute la journée. Salut, je suis prête à aller m'asseoir. C'est pas vrai, ces boucles d'oreilles sont en réalité des bonbons en forme d'ours. Attends une seconde. Moi aussi, je peux faire ça. Waouh, ça donne trop bien. Ok, je suis prête maintenant. Waouh, j'aime vraiment vos bijoux. Très bien, vous avez l'autorisation. Vous pouvez passer.
Merci. Aujourd'hui, nous allons faire l'examen. J'espère que vous avez bien révisé. Oh non, j'ai trop peur. J'espère que ce sera pas trop dur. Bon, finissons-en. Celle-là, je sais. C'est pas si mal. D'ici, je peux voir Lizzie. Regardez-la. Elle est parfaite. Je suis amoureux. Waouh, on dirait une pub de shampoing. C'est la fille de mes rêves. Waouh, elle est belle et intelligente. Elle est à couper le souffle. Oh mon Dieu, c'est trop stressant. J'ai aucune idée de ce que je fais. Réfléchis, ça doit pas être si dur, pas vrai? Ouf, il commence à faire chaud ici. Il faut que je me détende. Ça va aller, c'est juste un examen. Je sais ce qui pourrait m'aider. Une bonne barre chocolatée. J'espère que ça va marcher. Non, c'est sûrement pour ça que je prends du poids. Finalement, ça rend l'examen un peu plus agréable. Qu'est-ce que tu fais, Lizzie? La nourriture est interdite en classe. On en a déjà parlé. Oh, d'accord, allez-y. Sacré paquet de guimauves. Ne les mangez pas. Génial, je recommence à stresser. J'aimerais tellement pouvoir l'aider, mais comment? Oh, j'ai trouvé! J'ai du chocolat! Quelqu'un a parlé de chocolat? Ah non, pas de chocolat par ici! Je t'ai à l'œil, Léo! C'était chaud! Comment je vais le donner à Lizzie? Elle en a vraiment besoin! Ne panique pas, ne panique pas! C'est la cata! Attendez! Je crois que j'ai la solution! Je sais comment l'aider! Je vais faire fondre le chocolat au sèche-cheveux. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Ensuite, je coupe un angle de l'emballage. Puis, je vais avoir besoin d'une paille. Je vais verser le chocolat dans la paille. Et je la remplis en entier. Puis, j'attends que ça sèche. Maintenant, je retire la paille. Et j'ai encore du travail à faire. Je vais utiliser un taille-crayon pour le tailler en pointe. Ce crayon va être délicieux. Encore un peu. Ça a l'air pas mal. Je vais en faire d'autres. Bon, voilà. Hé, Lizzie! Qu'est-ce qu'il y a, Léo? C'est quoi, ça? Oh, waouh! Des crayons en chocolat! Qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi, ça? Oh, des crayons! Mieux vaut être préparé. Bien pensé, Lizzie! C'est une super idée! C'est bon! Ça y est, j'ai la réponse! J'ai pas besoin d'étudier, juste de manger du chocolat. Je travaille toujours mieux quand j'ai de quoi manger. J'ai fini. L'examen est terminé. Rendez-moi vos copies. Je le sens bien cette fois. Ça va le faire, Lizzie. Oh non, mon examen. Je crois que je vais me planter. Voyons voir. Où est-ce qu'il va, celui-là? Juste là. Parfait. Tout est en ordre. Hé, psst, regarde ça. Wow! Il y a tellement de maquillage et tout est si bien rangé! C'est très impressionnant! Mais attends, je vais te montrer ça! Non! Elle est passée où? J'ai trouvé ta petite cachette à maquillage! Tu connais les règles, c'est interdit! T'inquiète, je vais te montrer mon astuce! D'abord, j'ai pris ma palette de maquillage et un coton-tige. J'ai choisi une couleur et j'ai commencé à racler avec mon coton-tige. J'ai utilisé un coton-tige par couleur. Je me suis assurée de prendre assez de maquillage et ensuite je les ai simplement rangés dans leur boîte. Et voilà, une palette entière de maquillage sur coton-tige. Maintenant, je peux utiliser mon maquillage pour toute urgence. Et je peux choisir parmi un large éventail de couleurs. Waouh! Je suis complètement fan de ce choix de couleurs. Merci beaucoup. Hé, Ellie, regarde! Oui, Madison, moi aussi j'ai un bâton de colle. Non, regarde, sans le bouchon. Oh, ta colle est rouge, la mienne est blanche. Non, Ellie, regarde! Ce n'est pas de la colle. Il y en a tellement! Oh, c'est super élastique et amusant! Cool, j'aurais aimé avoir du slime pour jouer avec. Oh, tu peux l'étirer à l'infini. C'est l'heure de manger. Brr, tu as mangé du slime. Délicieux. Madison, ne mange pas ça. Tu vas être malade.
Pas de panique, Ellie. Ce n'est pas du slime. Regarde, j'ai simplement pris un bâton de colle et j'ai retiré la colle. Parfait, il n'y a plus de colle. Maintenant, je prends des ours en gélatine. Je les fais fondre avec mon sèche-cheveux. Oh, ils deviennent tout gluants. C'est super drôle. Maintenant, nous sommes prêts pour la prochaine étape. J'ai besoin de mon bâton de colle et de mes ours fondus. Je les verse dedans. Oh, on dirait une grosse goutte. Rempli jusqu'en haut. Et voilà. Et maintenant, le capuchon. Ça ressemble à de la colle classique. Regarde, Madison, j'ai fait la mienne. Regarde comme elle s'étire. Regarde-la s'étirer à travers mes doigts. Il est temps de manger. Hey, si on les mélangeait? Je crois que ça s'étirera à l'infini. Mangeons un morceau. Hey, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Rien, c'est juste notre colle. De la colle? Ça n'a pas de sens. Oups. Bien, ce thé va être très bon. Oh, pendant que j'attends qu'il refroidisse... Hey, salut David. Hein? Je veux quelque chose à boire moi aussi. Oh, ok, bien sûr. Oh, il y a du cacao là-dedans. Miam! Des bonbons! Ouais, je vais lui prendre ça. Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mangé tous les chocolats! Allez, donne-moi ça, je ne plaisante pas! Donne-moi ça tout de suite, je vais me fâcher! Oh, je suis furieux! Chocolat! Ça va, reprends-le si c'est si important pour toi. Ouais! Merci, David! Super, maintenant je n'ai plus de bonbons à manger. Ok, je ne la vois nulle part. Je vais essayer d'être discret. Je vais prendre mon sachet de verre en gélatine que j'ai caché ici. Yes! J'aime trop ces bonbons, ce sont mes préférés! Salut David! Peux avoir des verres en gélatine? S'il te plaît! Oh, prends tout le sachet pendant que tu y es! Elle l'a pris, mais ça faisait partie de mon plan! Parce que pendant qu'elle mange ça, j'ai ma vraie réserve secrète! J'ai pris un tube de dentifrice que j'ai vidé. Oh, regardez-moi ça! Une fois le tube vide, je jette le dentifrice et je le remplace par des verres en gélatine. Je vais simplement les glisser dans le tube, il s'adapte parfaitement. Maintenant, il faut remettre le bouchon pour finir le travail. Voilà! Dès que je veux un verre en gélatine, j'en ai un tout prêt! Oh, j'ai hâte de manger ces délicieux bonbons! Mmm, trop bon! Salut, ça va? Tu veux un petit goûter? Beurre! Il y a tellement de sucre là-dedans. Je préfère rester en bonne santé, merci. Je vais avoir un corps de rêve. C'est pour ça que je ne mange plus que de la nourriture verte. Et des boissons vertes. Je devrais essayer. Moi? Je suis plutôt du genre régime arc-en-ciel. Plein de nourriture jaune. Marron. Et toutes les couleurs entre les deux. Et rien n'égale la nourriture rose. Non. Tu ne connais pas les règles? Oh, mais j'ai vraiment envie d'en manger. Fais ce que tu veux. Il faut que j'aille à mon cours. C'est vraiment trop dommage. Bon, je crois que je vais faire du sport le ventre vide. En sentant le frais, bien sûr. Attends un instant. J'ai une idée. Oh oui. Pour faire passer ça, retire le déodorant de son étui et remplace-le par de la barbe à papa. Futé, non? Et ça sent bien meilleur maintenant. C'est l'heure d'aller transpirer. Continue! Juste une seconde. Pardon, je vais rattraper mon retard. C'est ça, allez! Moment du goûter! Oh, je transpire comme un bœuf! Fais ce que tu dois faire! C'est faux! J'ai juste besoin d'un petit remontant en sucre. Je ferais mieux de ne pas pousser le bouchon trop loin. Dis donc, ça brûle vraiment! Cet entraînement est plutôt amusant! Pfiouh! Je n'aime pas faire du cerceau! J'ai besoin de faire une pause! Et de manger un truc visiblement. Personne ne me regarde. Autant que j'avale une petite bouchée en toute discrétion.
Oui, je sens déjà le goût dans ma bouche. Ce n'est pas un hot dog sans ketchup. Oh oh! Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles? J'étais si proche! Ah, je déteste les cours de sport! Attends un instant. Je peux cacher ces saucisses. D'abord, je vais me débarrasser de ces poignées. Et je vais faire passer la corde dans ces tubes plastiques. Je vais prendre cette saucisse de taille moyenne. Appuie sur la saucisse pour faire entrer la corde et pousse-la jusqu'au bout. N'oublie pas de faire l'autre côté, c'est le moment de tester ce beau bébé! Ça fonctionne à merveille! Je fais juste du sport, vous voyez? C'est bien, continue comme ça! Elle n'y a vu que du feu! À moi les protéines! Hein? Je vois que les esprits affamés se rencontrent. Sophia, j'ai amené nos chocolats préférés. Ça a des avantages d'être ta voisine de classe. Je ferais mieux de sortir mes affaires. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant aujourd'hui. Avant ça, j'ai vraiment besoin de sucre pour réussir à me concentrer. Merci beaucoup! Ces emballages sont durs à ouvrir! Allez! On dirait qu'il est enfermé à l'intérieur. Et un beau jour, la pangée s'est divisée en... Sérieusement? Les règles, ça ne vous dit rien, les jeunes! Oh mon Dieu! Reste cool! Fais semblant d'écouter! Qu'est-ce qui se passe par ici? Des chocolats, hein? Elle ne peut pas les prendre comme ça! Je te jure que mon cœur s'est arrêté! Où j'en étais? Les adultes sont trop injustes! Ce baume à lèvres a la forme de mon chocolat! Il faut la même taille! Fais-moi voir ça! D'abord, ouvre le baume à lèvres. Retire le baume à l'aide d'une cuillère. Une fois enlevé, tu peux mettre le chocolat dedans. Il est parfaitement caché, tu vois? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Waouh! C'est ingénieux! Oh bon! Toi, tu as refait ma journée. Comme je disais! C'est l'heure de faire une pause. Allez, au suivant, on lève les bras. Oh non, ils fouillent tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos friandises? Il faut qu'on les cache. Et à ton tour, mec. Tu te fiches de moi? C'est quoi cette tablette de chocolat? Oh, bien sûr. Une petite seconde. Regarde ce tour incroyable. Et voilà, le chocolat a disparu. Et je l'ai téléporté ici. Waouh, comment est-ce que tu as fait ça? Mais ça ne change rien au règlement. Passe une bonne journée. Je n'arrive pas à croire que tu lui as donné mon chocolat. Je sais, mais regarde, grâce à mon tour de magie, on a toujours le mien. C'est vraiment super bon. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie! J'ai tellement hâte que le cours soit fini. Attendez! Désolée pour le retard, j'avais des choses importantes à régler. Genre me regarder dans la glace. En parlant de ça... Ça fait quelques minutes que je me suis pas regardée. Waouh, qu'il est beau! Je vais aller lui parler. Léo! Salut! Quoi? Qui a dit ça? Je dois entendre des voix. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hé! Hey, par ici! D'accord, puisque c'est comme ça, je vais avoir besoin de mon maquillage. Ça va résoudre tous mes problèmes. Et je pourrai attirer l'attention de Léo. Ici, il y a toutes mes couleurs préférées. Je vais juste faire quelques retouches.
Hey, j'étais en train de m'en servir. Je ne veux pas le savoir. Pas de maquillage. Mais j'en ai besoin. Arrêtez! Ça commence à être énervant. Cette fois, ça suffit, Lizzie. Compris? C'est ce qu'on va voir. Je dois avoir du maquillage dans mon sac. Hein? J'avais oublié que j'avais ça. Oh, des bonbons! Et mon matériel de peinture. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Juste quelques pinceaux. Je pourrais me servir de ça. Lizzie, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que de la peinture. Regardez, je veux devenir artiste. Ah, que la créativité soit avec toi. Je dois terminer mes corrections. Je crois que je l'ai eu. Il faut que je fasse vite. Je trempe les pinceaux dans la peinture. J'adore ces couleurs. Puis, je les applique sur mes paupières. C'est comme du fard à paupières. C'est éclatant et c'est joli. Ton maquillage est super joli. Tu veux bien me faire les yeux? Bon, d'accord. Mais ne fais pas de bruit. Je vais prendre d'autres couleurs. J'ai pas envie qu'on ait la même tête. Ne bouge pas. Ça chatouille. Voilà, c'est bon. Je peux voir? Waouh, c'est parfait. T'es la meilleure, Lizzie. Pas de quoi. Bien. Il est temps d'impressionner Léo. Oh, c'est trop drôle. J'en reviens pas qu'elle ose me faire ça. Hors de question que je partage mes bonbons avec elle. Excusez-moi, les filles, mais on se trouve dans une zone sans maquillage. On a plein d'autres sujets sur lesquels se concentrer. Parlez pour vous, madame. On a les astuces pour cacher au mieux notre maquillage. Rusé, pas vrai? Regardez-moi cette cachette! Reste avec nous et on te montrera toutes nos astuces. Les filles? Je vois bien ce que je vois! Une orange! Oui, quelle belle couleur, pas vrai? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je mange juste une pomme verte bien juteuse. J'ai le droit, non? Je suppose que j'ai encore des hallucinations. Sans doute parce qu'il n'y a rien à voir. Pas possible! Ces cadeaux sont incroyables! Oh, Annie! Joyeux anniversaire! Oh, c'est tout pour moi? Oui, pour toi! Je me demande ce que ça peut bien être. Le suspense est insoutenable. C'est pas vrai! C'est le gloss dont je rêvais! Cette teinte est parfaite! Merci! Mais maintenant, je crois que la fête est finie. Bonjour, chère classe! On va parler d'art abstrait. Je pense que je peux essayer. Il s'agit simplement d'associer les couleurs de manière originale, non? Quelques paillettes ne me feraient pas de mal. Et je sais parfaitement comment en rajouter. C'est un peu comme de la peinture. Maintenant, quand on regarde le corps... Annie? Pardon. Maintenant, regarde attentivement. Je crois que j'ai compris. Mais je m'en mettrai bien un peu plus. Ce pinceau pourrait aussi servir à dessiner des cheveux. Comme je disais... Oh, elle est tellement sérieuse. C'est juste une petite statue. Et pourtant, elle ne finit pas d'en parler. Ce qui me donne l'occasion parfaite pour... Ah, oh, tu m'as tellement manqué. Pose ce gloss sur la table. Où est-ce que je peux le mettre? Ces tubes de peinture lui ressemblent. On voit à peine la différence. Intéressant. Je pourrais peut-être... Quoi? Mets-le là-dedans! Bien sûr! Tu veux cacher ton gloss? Prends un ballon dégonflé et insère ton gloss à l'intérieur. Ensuite, coupe le ballon ici. Dépose de la colle sur le plastique apparent. Et tire le ballon pour le faire passer par-dessus. Appuie bien pour qu'il colle comme il faut. Il rend plutôt bien. Waouh! C'est ingénieux! Personne ne pourrait dire que c'est du maquillage. C'est l'heure d'une petite retouche. Ah, comme c'est brillant!
C'est beaucoup mieux. Hein? Est-ce que je vois encore du maquillage? Annie, tu as une explication valable? Je fais juste des tests avec la peinture, madame. C'est de l'art. Bon, je peux accepter cette raison. Phew! Je me sens super jolie. C'est le moment de cacher mes délicieux bonbons. Ce scotch va être mon arme secrète. Je vais simplement coller des bandes de scotch sous ma couverture. Parfait. C'est le moment de cacher les bonbons. Ouais, je suis trop intelligent. On dirait qu'il dort. Oh, qu'il est beau. On dirait un petit prince. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, je t'aime. Tu es la meilleure maman du monde. Oh, tu es trop mignon. Ouf, c'était moins une. Allez, fais de beaux rêves. Je vais t'éteindre la lumière. Elle est partie. Enfin! C'est le moment de prendre un petit encas avant de se coucher. Ah, donne-moi tes bonbons! C'est quoi ça? Ah! Un monstre sous mon lit! Vite! Sous la couverture pour qu'il ne me fasse pas de mal! C'est trop facile de te piéger! Tina? J'avoue, c'était plutôt bien fait. Tiens, des bonbons pour toi. Waouh! Ça fait beaucoup de Skittles! Je n'arrive pas à croire à quel point tu avais peur! Waouh! Regarde-moi tous ces bonbons! Oh, je n'arrive pas à les attraper avec mes mains de monstre! Bon, d'accord. Voilà pour toi. Ouais! Des bonbons! Trop bon! C'est vraiment dur de garder la forme! Elles n'y mettent vraiment pas beaucoup d'huileur. Oh! Un message! Je dois répondre. Vous deux, continuez de faire cet exercice. C'est bon, je crois qu'il est parti. Ce qui signifie que c'est l'heure du goûter. J'ai tellement faim! J'ai hâte de manger ce Snickers. Oui, il est si bon! C'est le meilleur goûter de tous les temps. Waouh, elle a l'air d'être affamée. Oh non, il revient dans la salle de sport! Vite, fais comme si on n'avait pas arrêté le sport. Qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Oh, impossible! Faute! Arrêtez! Arrêtez tout de suite ce que vous faites! Bon, voyons voir où est la nourriture. Ah ah! Toi, donne-moi ce chocolat! Tu connais les règles! On ne peut rien me cacher. Maintenant, à ton tour. C'est tout bon, tu as bien suivi les règles. Je te félicite. Mais je garde quand même un œil sur vous deux. Hé, ne t'inquiète pas pour ton Snickers. Regarde mon t-shirt. Ce n'est pas un simple motif, il y a de vrais bonbons dessus. Waouh, t'es vraiment très forte pour cacher de la nourriture. Je sais, c'est pas mal, hein? Bonjour, voici mon passeport. C'est bon, mais je vais vous observer de plus près. Je vais juste vous passer au crible de mon détecteur de nourriture. Donnez-moi ça. Le détecteur ne se trompe jamais. C'est bien ce que je pensais. On essaye de faire passer de la nourriture à la douane. Je vais continuer l'analyse, d'accord? Mais je voulais vraiment manger cette sucette plus tard. Dommage, je vais devoir la confisquer. Et je vais aussi vous prendre toutes ces sucreries. Même le chewing-gum que j'ai dans la bouche? Bon, prenez-le. Je vous rends votre passeport. Passez une bonne fin de journée. Bonjour, voici mon passeport. Oh, regardez-moi ça. Vous êtes rayonnante. Bon, je ne voudrais pas vous garder debout trop longtemps. Allez-y. Je vais juste m'asseoir sur un de ces sièges. Personne ne regarde? Non? Parfait. C'est le moment de dévoiler mon bébé. Mon bébé sucré. C'était vraiment une super idée de remplir ce ballon de plage avec du soda. Je peux prendre une gorgée dès que j'ai soif et personne ne le saura jamais.
Joli ballon de plage. Oui, je suppose. Non, vraiment, c'est très malin. Regardez ce que j'ai fait. J'ai caché ma boisson dans mon chat en peluche. Il ressemble à un jouet classique, mais il est rempli de soda. Oh mon Dieu! Ça, c'est incroyable! Super ingénieux! Santé!